Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer la pose d'arrivée pour donc un clips pression pour ceux qui voudraient faire des holsters ou des étuis à couteau. Donc il vous faut un peu de matériel, notamment cette pince là, donc qui sert en fait à faire des trous de différentes tailles dans du cuir, dans du tissu, etc. Donc bêtement, quand vous venez appuyer, ça vient poinçonner. Il vous faudra bien sûr les pressions. Donc les pressions, ça se présente en quatre parties. Vous avez donc deux petits rivets qui ont différentes tailles, différentes formes, et qui viennent se mettre en fait de chaque côté de la pression. Voilà. Donc ça, bah, vous allez chez un cordonnier, chez des gens qui vont vous vendre de la laine, du tissu, normalement ils en ont, au pire sur internet on en trouve, mais prenez de la qualité, prenez pas de la merde, parce que réellement, si vous voulez un truc solide, il faut quand même y mettre le prix. Parce que pour le prix que ça coûte rien, hein. Ça coûte vraiment trois fois rien. Donc prenez de la qualité. Ensuite, il vous faudra le petit outil pour venir les sertir, vous pouvez vous en fabriquer un, sinon il existe aussi des pinces, mais je préfère cet outil. Et il vous faudra aussi un marteau pour venir bien sûr sertir le rivet. Donc là, j'ai déjà fait mon trou pour la pose de mon rivet et de mon attache. Donc là, c'est ce morceau-là qui vient. Donc j'ai fait le trou à la bonne dimension. Donc hop, ça rentre dans le trou. On remet le petit rivet par-dessus. Je vais me mettre sur un tasseau pour abîmer la table. Là, on vient refermer notre petit outil. Ça va être un peu la galère. Je vais aller me mettre sur quelque chose de beaucoup plus dur parce que là, la table n'est pas assez rigide pour amortir. Donc voilà, je me suis mis sur quelque chose de beaucoup plus rigide pour venir sertir le rivet. Donc là, on a toujours le petit cliquetis. Parce que je ne suis pas arrivé à le serrer. Ben c'est là. Après, c'est là la petite bague fendue qui est ici, qui vient qu'on puisse venir éclipser. Et donc après, on fait pareil de l'autre côté sur la languette de l'étui du holster. Donc ça,